et salut. On va poursuivre la carrière du coup. Enfin, commencer une nouvelle saison de la carrière avec Bahreïn. Donc là, on part sur la vraie saison 2. Avec tout comme on voulait normalement paramètres. Je vais regarder si j'avais modifié l'IA. Je ne sais pas. Voilà, on va l'augmenter. Sur du 70, ça va être bien plus dur. On verra bien. Que ça donne. Reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. Et prenons ça. On doit se situer en milieu de peloton. Au fil de la saison, j'aimerais qu'on devance le concurrent direct. Or qu'on commence à et au favori. Ok. Allez, on va voir. La voiture. Je crois que c'est la même. Hein. Je ne crois pas que ça change d'une saison à l'autre. On commence la saison avec une voiture déjà plus performante. Ouh, Ferrari, ils sont pas mal retombés au classement. On cherche développement là. Red Bull, McLaren, Mercedes, AlphaTauri, Ferrari, Alpine. Eh bien, il va falloir qu'on remonte tout ça. Et on est parti. Bienvenue à toi pour cette nouvelle saison. Bon, écoute, je vais être franc. On a du mal à maintenir notre niveau de performance avec la nouvelle réglementation et on va devoir rattraper notre retard. Alors désolé de te mettre la pression, mais souviens-toi, toute l'équipe est là pour t'aider. Ok, donc on a Alonso et Williams et Latifi qui va chez Alpha. Changement, ça va pas nous dépayser. Là, c'est pas sous la pluie, y a pas mal. On est parti. Hop. Alors, est-ce que j'ai là avec Alpine? Bien.
Ok, donc là j'en ai d'autres. On va essayer. Voir où c'est qu'on se situe à peu près. C'est le moment de faire quelques tours de piste. J'espère que j'ai les pièces qui vont tenir plus longtemps et pas tout changer. Bon, je fais n'importe quoi là. J'arrive pas à choper les pneus. Les pneus chauds. Seconde de Hamilton et il en sort aussi.
faut bien le lire à ça. J'arrive à gagner du temps avec le départ que j'ai fait. Allez, au garage. Qu'est-ce qu'on va faire? Stratégie, gestion des pneus. Bon, on va faire la stratégie. 20 minutes, il reste. C'est parfait. Au des temps, on est plutôt pas mal. Avec des hards. Il est chez qui Alonso? C'est presque la même couleur que nous. 20... Williams? De bleu devant, je trouve. Verstappen avec des médiums. Allez, on va essayer ça. De toute façon, on est là pour être dans le milieu du tableau. Essaie de boucler des tours propres, s'il te plaît. Il nous faut des données exploitables pour notre stratégie en course. Non. Pas si je vais pas plus gonfler les pneus. Faut qu'il chauffe pas les pneus. Quatre-vingt-douze, quatre-vingt-treize, peut-être quelques degrés.
faire mieux que ça sur ce tour. Essaie encore. Ce dérapage. Exploitable, on va y arriver, c'est pas possible. Jolie prestation. On a obtenu ce qu'on recherchait. Continue comme ça. Enfin. Beau travail. Peut-être essayer d'autres réglages, je trouve que je soupire pas mal. Je sais pas ce que c'est le problème. Problème de soupirage.
bien beaucoup freiner, je trouve, dans les virages. Programme terminé. Beau travail. On a obtenu des... Ah ouais, beau travail. Des infos précieuses. Ça. Rentre au garage. Je vais te montrer le résultat. Peut-être descendre le différentiel. Descendre à 75, voir. Et on va gonfler un peu plus les pneus. Et on va voir si ça va mieux. Je vais ressortir avec les mêmes pneus. Ils sont chauds. Je suis une merde là. Non, non, non. Pas sûr que ça aille mieux, je sais pas. J'ai oublié de tourner comme un con, je regardais le temps. Une minute. Pour le dernier tour, nous avons 1 minute 33. Bah, je sais pas, en fait.
Ok, on va s'arrêter là. Je sens pas ces réglages. Ni l'un ni l'autre en fait. Essayez autre chose. Maintenant que toutes les voitures ont franchi la ligne d'arrivée, revoyons le classement de nos trois meilleurs pilotes. Norris, Russell et Max Verstappen. Les essais. Ah, on est mal. Ça va être dur là, 70. Yeah. On va faire quoi? La gestion des pneus. C'est parti. On va faire le sprint. Hein. C'est là qu'on va voir comment on est. J'ai pas vu les temps qu'on faisait. J'ai oublié de regarder. Regardez juste les corps. Ce test est entièrement axé sur la gestion de pneus. Essaie de ne pas trop te décaler dans les virages et pense à réduire ta puissance au point de corde. Là, je commence à perdre du temps. Oh là là, cette perte de temps dans ce virage, j'arrive pas à le prendre. À feu. Test est terminé. Tu as fait du très bon boulot. Les infos récoltées vont nous aider à avancer dans nos recherches. Allez, je vais essayer d'autres réglages. Qu'est-ce que ça donne? Alors. Celui-là qui est très bien noté d'appui, on va aller moins vite. Bon. Et ok, on va essayer ça. On va même essayer directement sur le sprint. Ah, on a fait 5 sur 5 au gestion des pneus. D'accord. Ouais, tout bien. Ça me va. T'inquiète pas pour les gommes, donne tout ce que tu as. Pendant ce test, on veut pouvoir boucler nos tours aussi vite que nos adversaires.
N'y suis pas du tout. Pas du tout. On recommence. Pas sur des réglages là. Vraiment pas pour le coup. Oh, le temps que je perds. Énormément de temps quand même sur ce tour là, avec le départ. La vitesse de pointe déjà. Ah, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Pas être aussi loin à 0,9 là, c'est pas possible. Là. Faire un mix des deux. Allez, on fait un mix des deux. Pour gaspiller des tendres. Et le temps que je perds sur le premier virage.
perds du temps encore. Non, je vais jamais y arriver. Avec le programme, mais il y a peu de données exploitables. Désolé, mais il va falloir qu'on recommence. On va le refaire si ça passe. Les pneus, dis. Allez. Ah, il y a cette merde maintenant. Ce temps que je perds, mais c'est abusé. Allez, hop, retour au garage. Voilà, je sais pas quoi faire là. Vraiment. Si je vais y arriver à temps. Ok, allez. Oh là là, c'est pas possible. La séance touche à sa fin. Voyons qui sont les trois pilotes. Je suis quand même devant, mais putain, j'arrive pas à faire ce sprint, quoi. Abusé, je perds énormément de temps à plein d'endroits et j'arrive pas à voir comment l'optimiser, quoi. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Là, je dois avoir quoi? Je dois avoir deux jeux de soft. Encore un. Pff, non, ils sont tous les deux usés. Ouais, ça sert à rien. Ah, je vais en faire un, mais ça sert à rien. Mort.
Allez, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On va passer au calife. Ah, je suis dégoûté de pas être arrivé au sprint là. Remettons-nous en tête les trois pilotes les plus rapides. Norris. Il a fait. Enfin, j'ai pas vu ce qu'il avait fait de mieux. Qualification. On va sortir direct pour les réglages. On va garder ça. De stand. Prêt ? Bien, allons-y. Il semblait que j'arrivais mieux que ça à ce circuit. Allez, on est parti.
seconde de mieux que Tsunoda. Pas. Nous avons à peu près deux tours de carburant. Bon, on n'est pas bien, hein. On va voir si on voit la différence des pneus là. Là, ils étaient bien mat les pneus. On va ressortir les stands, voir quand ils les ont changés, comment ils sont. Ah, ils sont pareils. Hein. Pareil, on dirait. Moi, j'aurais pu faire l'usure des pneus. Faut pas que je prenne le vibreur à droite, c'est ça qui me fait déraper à chaque fois. Oh, chier, j'ai repéré du temps.
reste 2 tours de carburant. On va faire un tour. Hein. Ça passe. Tout le temps du temps ici, ce virage là il m'énerve. L'appareil. Gagné de place. J'ai pas gagné de place, fait chier. Moyen de gagner du temps encore. 0,5. Ça se joue vraiment pas grand chose. Jusqu'à moi, en fait, ça se joue pas grand chose. 9 centièmes, 9 millièmes pour nous. Si les pneus. Hop, on va utiliser le dernier train. Tac. Faire un départ lancé. Okay. J'aurais pu en faire 2 tours.
Non, je gagnerai pas. Je gagnerai pas. Putain, j'ai perdu une place. Allez. De toute façon, c'est le milieu du tableau qu'on cherche. On le sait. Ça me fait chier parce que j'ai envie d'être plus haut. Mais on a augmenté l'IA, c'est ce qu'il faut se dire. On va aller chercher le milieu du tableau. Terminé. Revoyons qui sont les trois premiers du jour. Verstappen, Perez et Lewis Hamilton. 08 du premier. Les qualifications s'achèvent et il y a des places pendant la course encore. Rendez-vous demain. On va me perdre au départ déjà. D'habitude, je vais perdre au départ. Allez, choisir direct, plus cher, hein. Je pose. On va faire ça, mais j'aurais été plus partant pour faire des trucs. Il y a que ça que j'aurais pu. Ouais. Allez, on est parti pour la course. Par 9e. Je viens de gagner quelques places. On va avoir deux flashbacks. Le moment est venu. Une nouvelle saison vierge commence. Le but c'est pas de les utiliser quand même le flashback. Je rentre au quatrième. Prendre cette stratégie, mais je vais rentrer au quatrième. N'importe quoi, c'est des ports. Non! Pourquoi? Ce vibreur, je l'ai pris tous les essais, tous les qualifs, j'ai pas spiné. Pourquoi? Là, je spine. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ah putain, flashback au premier tour quoi. Alors peur de spinner toute la course maintenant là. Casse les couilles hein.
trop mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. Oh, chier. Recommence carrément. Ah, ça me saoule. Putain. Pourquoi je fais n'importe quoi là? Ça me casse les couilles. Voilà, moi j'ai gardé ma place au départ. Pas emmerdé Albon. Putain, oh, ça me saoule! Ah, je vais pas y arriver là, ça me casse les couilles! Ah, on peut pas dire que c'est l'IA là. Il y a qui est dans ma tête là le problème. Casse les couilles hein. Approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums.
réfléchi à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Je vais rentrer maintenant. D'accord, confirmé. Allez. Essayez ce qu'il me dit. Peut-être ça fait beaucoup quand même. Au stand à la fin de ce tour, rentre au stand à la fin de ce tour. Essayez. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Essaie de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ces gommes. Personne qui est rentré au stand là. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 12,1 secondes. Attention, attention.
va y avoir une voiture de sécurité. La direction de course a décidé de faire sortir la voiture de sécurité à cause de plusieurs voitures arrêtées sur la piste. Attention à ton Delta. Roule moins vite, notre indicateur Delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut chiant ça. Allez. Alors là, ils te disent de rattraper mais pas de rouler trop vite. Hein. Casse les couilles. Hein. On prend jamais rien à ça. Esteban est à l'entrée des stands. Je vais gagner de place. Est-ce qu'elle va partir là? Ah, on refait un tour encore. Essaie de rattraper un peu le peloton. On est à la traîne. On doit être à moins de 10 longueurs de voiture de la monoplace qui nous devance. Vers le con. Ne très froid. Voiture de sécurité, rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert.
à la normale. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. J'ai envie de doubler, non? Oula, j'ai très mal pris ce virage là. Ils doivent être chauds là. Faut reprendre sérieusement. Et une place, moi et Albon, je sais pas où il est passé. Cette accélération qu'ils ont. À peu près 5 tours de carburant. Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS. DRS disponible. Ils veulent pas se rechasser les deux là ?
Les locaux. Ça a permis à Russell de recouler. À peu près 3 tours de carburant. Le virage plus fluide, hein. Et ça n'a rien à voir avec moi. C'est facile. La Red Bull, ça va être chaud de la rattraper. On va pouvoir faire pareil. Oh. Plus je DRS. Oh, ce que je l'ai mis. Non. Oh non. Pas maintenant. Mon dernier. Allez. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Allez. Oh, ça se finit bien finalement. Bon, c'est terminé. J'ai quand même utilisé mes deux flashbacks. Hein. Ah.
J'ai gagné quoi? J'ai gagné. Je suis parti de 9, je finis 6. Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix ici à Bahreïn. Et c'est suite à une performance admirable que la. Je sais pas comment je l'ai dépassé par contre, Perez. Je sais pas. C'est venu le truc là. Et voici nos vainqueurs. Examinons le classement des pilotes. Donc Jean-Éric Vergne, qui selon vous est le pilote du jour? Pour moi, c'est Mathieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il revient de loin. Ce n'est jamais facile de manœuvrer dans la mêlée. C'est une performance admirable. Passons à présent aux constructeurs. Red Bull prend la tête du championnat. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors, j'ai envie de voir le carton Schumacher. Et moi, le dépassement de Perez. Qui lui est arrivé alors? Cassé. On a eu la voiture de sécurité pour ça. C'est vrai que c'était un peu plus intéressant, moi. Ok. Comment on fait déjà? C'est pour les tours. Alors, mon dépassement sur Ricardo par l'extérieur. Là, c'était propre. Dépassement sur Perez, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il a fait en fait, Perez. Non, mais je veux pas voir ça, je veux pas voir la roue arrière. Là j'ai le DRS. Ah non, c'est pas là. Là je veux le doubler par l'extérieur. Ah, je l'ai poussé. Ah, j'aurais peut-être pu prendre une pénalité pour ça. Je sais même pas si je le pousse. Eh, je crois que je le touche pas. Hein. On va le voir peut-être.
Non, c'est vraiment lui qui s'écarte. Hein. Je croyais qu'il allait me resserrer et qu'il allait me garder serré, quoi. En fait, non, il m'a laissé la place. D'accord. Merci, Perez. Et on finit 6ème avec 8 points. Une première course, c'est plutôt pas mal. Non, on peut rien prendre. On a besoin de ton avis. Le choix n'est pas simple. Rival. Alors là. Pierre Perez, je crois qu'Hamilton il a fini devant. Ça va faire mal là. Merci de t'en être occupé. Le département tout entier t'est reconnaissant. On est devant au con, en tout cas 7 millions. Bon, beau. On a fait que 8 points. On est 6ème au championnat. Bon. Au con, il a fini 12, il a pas fait de points. Alpha, c'est qui d'Alpha qui a fait des points? Ok. Ça me va. Bon, on va s'arrêter là du coup. Hop. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt.